les amis, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Ghost of Tsushima. Donc c'est parti, on continue la quête principale, l'éternel ciel bleu dans le voyage de Jin. Donc l'éternel ciel bleu, la tempête sera bientôt là, nous devons terminer les préparatifs de l'assaut contre Kotun Kan. J'ignore si nous survivrons, ni si le seigneur Shimura répondra à mon appel, mais il m'est impossible de reculer. Yuna devrait se trouver au temple de Yogaku avec les autres, je dois lui parler avant la bataille. Donc c'est parti. On va aller tuer Kotun Kan. Elle est où elle du coup? Je pensais qu'elle était là. Bouddha conduit les malheureux et les souffrants jusqu'à nous. Ouais, dans quelle vie. Quatre guerriers. Elle est un petit peu plus loin, je pense. Ah mince, mais je m'éloigne. Attendez, elle est où elle? Bien sûr que si. Ce sont les samouraïs du shogun. Ah oui, le temple, c'est. Ah oui, d'accord, c'est là-bas. Sakai. Ok. Tu veux me parler, toi? Sensei. Des nouvelles de Tomoe? Ah, il dit toujours pas plus, oui. Ok. J'ai peur, mon Graal. Seigneur, merde. Je veux mon cheval. Bon, c'est pas grave. On va y aller à pied. Voilà, elle est là-bas. Qu'est-ce qui t'a pris tout ce temps? Bah, je te cherchais. Nous étions inquiets. J'ai cru qu'il t'avait attrapé. Déposer mon message n'a pas été facile. Ton oncle l'a-t-il lu? Va-t-il nous aider à vaincre le Khan? Je l'espère. Mais nous devons agir dès maintenant. Le vent gagne en puissance. La tempête sera là demain matin. As-tu trouvé des armes de siège? Assez pour leur faire très mal. Et j'ai trouvé des déserteurs de l'armée de ton oncle qui veulent suivre le fantôme. Nous sommes prêts. Dis aux autres que nous attaquerons à l'aube. Je passerai le message, mais tu devrais aller les voir. Ils ont besoin d'entendre leur chef. Ok, bon, on va aller leur parler, on va aller les motiver. L'éternel ciel bleu. Alors, ça c'est... Ouais, c'est ça. Un allié. Tout espoir est mort. Les Jedi et son neveu se sont déclarés la guerre. Voyons, tu exagères. Des gens les... Seigneur Sakai. Norio, je savais que tu viendrais. Après toutes les batailles que nous avons livrées, je n'aurais pas manqué ça. Oui, je l'aime bien. Demain, nous vengerons ton frère et les moines guerriers de ton temple. Je veux seulement libérer l'île. J'avais tellement peur de le tomber. Ok. On a qui d'autre après? On a Sensei là-haut là, mais il parle pas beaucoup lui. On a qui d'autre après? Ah voilà, là-bas il y a quelqu'un. Ah ils sont tous là-bas, ok. Ouais mais ça c'est... Ah non, c'est lui là. Sakai. Ravi de pouvoir compter sur votre arc. Je n'ai pas oublié pour Tomoe. Nous vaincrons le Khan. Son soutien s'effritera comme des feuilles de thé sèches. J'ai envers vous une dette infinie. Pas de sentimentalisme, Sakai. En fait, je les aime tous. Sensei. Je vous laisse vous préparer pour demain. Je me suis préparé toute ma vie. Un jour de plus ne fera aucune différence. Bon, j'ai pas fini leur histoire, mais franchement, tous les personnages sont top. J'aime bien. On a aussi Masako. Je crois que c'est elle. Rien. Pourquoi? Je te trouve différent. Jin. Je sais que nous n'avons pas trouvé les assassins de vos proches. Mais nous devons attaquer le Khan. Il a assassiné mon mari.
pendu mes fils. Moi aussi, je veux sa mort. Il répondra de ses crimes. Ensuite, je reprendrai ma chasse. Et je serai à vos côtés. Reposez-vous. La journée de demain sera longue. Ou au contraire, très courte. Après, il reste le vendeur de saké, là. Kenji, je crois, non ? Ah, il en reste deux. Bien. Nous y sommes, messieurs. Tu as l'esprit léger. C'est normal. Ce sont les spiritueux qui font effet. Ne bois pas tant. Il ne faudrait pas que tu dormes demain. Plus sérieusement, je n'aurais manqué ça pour rien au monde. Je suis là pour Taka. Merci, Kenji. Ouais, pour Taka. Et après le dernier, là-bas. À moins que ce soit Yuna, je pense. Ouais, c'est ça. Ok, très bien. Le samouraï n'arrivera jamais à vaincre les Mongols. Il s'est passé bien des choses depuis que tu m'as trouvé sur la plage de Komoda. Tu étais si lourd que je pouvais à peine te traîner. J'ai dû te dévêtir à moitié pour atteindre la ville. Sans toi, je ne serais pas là. J'espère qu'elle va pas mourir, hein, quand même. Je ne peux pas te perdre, Jin. Pas après ce qu'on a traversé. Les gens qu'on a perdus. J'en ai assez. Je dois arrêter le calme. Rien ne t'y force. Nous pourrions partir, chercher des terres calmes. Pendant que ton oncle mène sa guerre de samouraï. C'est ce que tu souhaites. Non. Elle veut se venger aussi, hein. Il a tué Taka, celui-là. Promets-moi que tu te battras. Tu n'as aucune pitié, Jin Sakai. Va te reposer. Pas encore. Restons ici. Quelques minutes de plus. Il y a vraiment de beaux moments dans ce jeu. Port d'Izumi. L'heure est venue. C'est notre unique chance d'arrêter le Khan avant qu'il envahisse le pays. Kenji, les armes de siège sont-elles prêtes ? Elles sont prêtes à embraser la flotte mongole. Bien. Yuna te donnera le signal. À la première salve, les Mongols chargeront ta position et se jetteront directement dans notre piège. Les explosifs sont en place. Les archers sont sur les toits. Et ça me laissera le temps d'aller voir Khotun Khan. Merci. Merci à tous. Allez. Jin, je ne vois ton oncle nulle part. La tempête n'attendra pas. Et nous non plus. Prépare-toi à tirer la flèche de signal. Et puis tant pis, on fera sans lui, hein. Alors du coup... Maintenant ! Les Mongols approchent. Nous tuerons tous ceux qui passeront. Prends des positions dans le village de pêcheurs. Très bien, j'y vais. Oula. Tiens ça, tu mauvais fils! Derrière vous, Masako! N'en laissez passer aucun! Montez à l'assaut! Chargez! Là, il y a lui, là. Et toi, là. Bim, allez. Mince, je voulais parer sur l'attaque. Des fois la caméra, c'est la merde. Chargez.
Lâchez-les! Est-ce que je dois les suivre ou... Ouais, voilà. Allez, hop. Pour taquin. Bim. Dégagez de notre île. Ah bah, il y en a un qui court. Il est parti. Attendez. Il a pas des flèches, lui? Non, il est parti. Ok, c'est bon. Ah, provision. Mais après, je vais où, du coup? Ils sont tous passés où, là? Il n'y a plus personne. Merde. Dans la zone du récit. Ah, là-bas, ils sont là-bas. Allez, voilà. Bim. Oh, plus là, quoi. Une lance, tiens. Allez, hop. Un de moins. Toi aussi. Ah merde! Bombe aveuglante, punaise, je me suis fait toucher. Ah merde! Oh punaise! Ah merde, mais j'ai même pas pu esquiver là, punaise, il enchaîne les attaques lui. Ah merde, ça a pas pris le bouclier, j'avais choisi le bouclier, c'est ça que ça perd, c'est pas le truc. Voilà, tu dégages. Là, il y avait un chef, là. Et merde, à chaque fois que je demande le bouclier, ça marche pas. Elle est à deux dessus. Tiens, bim. Et hop, moi je vais faire ça. Hein. Allez hop. C'est pas ce que je voulais faire. Je voulais prendre le truc enflammé. Je sais pas pourquoi il y a eu un bug. Le plan a marché. Les Mongols se regroupent. Nous ne les laisserons pas faire. Norio mène le reste de nos troupes en amont. Rejoignons-le et passons à l'attaque. Attendez, moi je voudrais... Non, on peut pas récupérer des trucs, là. Allez hop, on y va. Oh, vous êtes tous là. Notre heure est venue. Aujourd'hui, le Khan meurt. Même sans le seigneur Shimura, nous gagnerons. Nous donnerons l'assaut sur la grande porte, pour distraire les Mongols, le temps que tu t'infiltres. Vous serez débordés. On est arrivé bien trop loin. On ne peut plus revenir en arrière. Vous êtes les plus braves guerriers que j'ai rencontrés. Je vous reverrai bientôt. J'espère vraiment qu'il n'y en a pas un qui va mourir. Hein. Alors, qu'attendons-nous? Alors moi, c'est par où le port des Unis? C'est par là-bas. Ils sont tous avec nous, avec moi, c'est vraiment top ce truc. Sauf que là, est-ce que je dois y aller Ouais, faudrait que j'aille discrètement par là du coup, attends. Ah non, faut que je passe par là-bas, j'ai pas le choix. Bon, bah, filtrer discrètement, mais ils vont me voir de là-bas. Mais je suis dans la zone du récit, c'est juste que je suis par en haut au lieu d'être par en bas. Non. Je dois monter en examinant le camp. Je devrais pouvoir trouver le Khan. Je veux me soigner, c'est quoi déjà ça? Il y a du monde là-bas. Hein. Un point de vue. Alors, je regarde. Déjà là.
trouver un point de vue. Attendez. Pour localiser le Khan. Moi, je veux bien, mais... Est-ce que je dois aller sur le bateau? Peut-être. En tout cas, là, il y a du monde. Ah, merde, là, ils m'ont vu. Bon, par où je passe, moi, du coup? Où je dois aller? Là-bas, il y a des trucs. Merde, je peux même pas monter plus haut, quoi. Ah merde, bon allez, hop. La tour de guet fera l'affaire. J'aurai une vue projetée sur le camp. La tour de... Ah oui, d'accord, mais lui, il va me cramer en plus. La tour de guet fera l'affaire. Ok, je trouve la tour de guet. Viens par là, toi, bim. Allez hop, quoi? Il est dur à tuer, ils sont durs à tuer les chefs. Hein. Allez hop, tiens. Alors la tour de guet. Ah oui, d'accord, ok. Je l'avais pas vu. Comment j'y monte du coup? Ah bah. Quand même sur le combat final, ils se défendent bien. Ok, alors la tour de guet, bah voilà, par ici. Oh merde, qu'est-ce qui se passe? Ah voilà, il arrive lui. T'as choisi ton moment, toi. Pour Tsushima. Pas de quartier. Bon, en même temps, il est venu. C'est déjà bien. Parfait. Il faut que j'atteigne le manoir. Affronter le Khan dans le manoir, donc ça y est, combat final. Hein. Y a pas des trucs à récupérer, moi. Je vérifie avant. Ah, punaise. Alors, il est là-bas, c'est ça? Comment je fais? Je mets la posture directe, là? L'active avant que je la perde définitivement. Toi, hop, tu en veux pas. Non, non, mais j'ai réparé l'attaque, meilleur peu. Je peux avoir la posture pour affronter le Khan. Mais merde, il me crame lui en plus. Et pas deux fois.
Non mais... Je vais faire ça moi, hop. Yes. C'est la première fois que je fais une esquive comme ça d'ailleurs. On a la posture, j'espère que je vais la garder. Je vais remettre le truc enflammé là. Ok, alors. Toi, tiens. Hop. Me voilà le Khan. Qui veut m'affronter ? Et oui, je suis toujours en vie. Tous ces morts. Parce que toi et ton oncle avaient refusé de vous soumettre. Je vous ai proposé la paix, mais vous avez préféré. C'est sûr, la ça guerre. Va être de notre faute. À présent, c'est le Japon tout entier qui souffre. Vous ne quitterez jamais cette île. Qu'est-ce qu'il fait? C'est du poison? Mais c'est THE combat, THE duel. Mais moi je me sers de ma posture et bim! Je suis pas le fantôme pour rien. Voilà. Vous êtes faible. On va quand même le laisser essayer de nous toucher, hein. Allez hop, hein. Je te vaincrai. Ah bah oui, d'accord. Vous avez peur. Il y a quand même de belles attaques, hein. Je vais le laisser attaquer un petit peu, sinon en moins de deux, je vais le tuer. Si je m'en sors, c'est parce que j'ai fait tous les récits mythiques du jeu, pratiquement. À part ceux de l'île d'Itki. Donc forcément, hein, j'ai tout plein de trucs. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est l'oncle? Non? Ah non, qu'est-ce qu'il me fout, lui? Et en plus, il a des renforts. C'est abusé. Et il se barre. Ah non, hein. Oh, c'est du poison. Empêchez le calme, alors je cours et vous cassez-vous. Ah non, non, moi j'affronte personne. Moi. Il est parti où lui? J'en ai pas fini avec toi, moi. Achevez-le, tu vas voir qui va achever l'autre. Bim! J'espère qu'il y a pas de temps, hein, parce que je suis pas très doué quand il y a du temps à respecter. Voilà. Avoir peur, Kotun Khan, que le fantôme est là. Ah bah là il se bat aussi lui, hein. Tiens. Pourquoi j'arrive pas à le tuer?
Oh merde, il a quand même des attaques. Éliminez-le. Décidément, il peut pas le faire lui-même, lui. Toujours qu'il passe par hein, les hommes de main. Ah oui, carrément. Ah mais non, mais genre... Ah oui, mais ça, c'est abusé, ça. C'est toi que vous tuez, pas les autres, moi. Alors, je l'ai eu ou pas? Frappez! Tuez le fantôme! De la vie, mais je sais pas pourquoi pour l'instant il ne meurt pas. Est-ce que je dois tuer les autres ou pas? Celui que je visais, mais ah, c'est bon. Mais il est incroyable celui-là. Tue-moi. C'est prévu. Décapité comme Taka. Il y a de ces scènes, j'adore. Sauf que là on est un peu dans la merde. C'est Yuna. De toute façon, le masque, je l'ai jamais vraiment porté, donc... On a vaincu le Khan. Le combat était quand même vraiment top. Hein. On est revenu au temple de Yogaku. Et là, on n'est que tous les deux. Ok. Khan est mort, mais son armée est toujours là. Nous ne serons en sécurité qu'une fois qu'elle aura pris la mer. Et après ça, alors? Qu'est-ce qui se passera? Nous referons nos vies. Avant, je savais la vie que je voulais mener. Aujourd'hui, je ne sais même plus qui je suis. Tu es une grande guerrière, une amie fidèle. Et une voleuse. C'est du passé. Ce que tu seras demain dépend de toi. Ne restons pas ici. Mon oncle doit nous rechercher. Non, j'en doute. Après la bataille, il a envoyé un messager. Ah. Souhaitait-il faire la paix? Il te donne rendez-vous, au bord de l'eau calme, sous l'arbre à feuilles rouges. Ah ok. Le lac Domi. Duel. Nous nous y entraînions quand j'étais jeune. Je t'accompagne. C'est entre lui et moi. Il est ma seule famille.
Je sais. Ça sent le duel, ce truc. J'ai encore mal quand je pense à Taka. L'odeur de fumée dans ses cheveux. Son rire discret. Les reproches qu'il me faisait quand je buvais trop. Toute ma vie, il est resté près de moi. Et maintenant, je suis seule. Tu n'es pas seule. Je suis là. Un fantôme. Tu es là pour tout le monde. Ok, donc on a fini l'éternel ciel bleu, mais on a un duel qui nous attend. Contre le seigneur Shimura. Donc du coup, c'est la fin de cette vidéo sur Ghost of Tsushima. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !